Salut, c'est Jonathan Cogifit. Aujourd'hui, je suis au Complete Striker avec Amandine, joueuse de D1 Arkema à Rodez. Bienvenue Amandine. Merci. Donc, on va commencer avec la réalité virtuelle et ensuite, on va descendre sur le terrain pour faire un exercice qui reproduit de la réalité virtuelle. Tu vas être à l'intérieur du terrain, tu vas avoir plein de mini-buts autour de toi. Okay. Une machine à ballon qui t'envoie un ballon et tu dois marquer dans le but qui est illuminé okay. en jaune. Okay. D'accord? Tu peux jouer une touche, tu peux contrôler ton ballon et jouer par la suite. Okay. On le fait dans la réalité virtuelle okay. et après on le retranscrit sur le terrain. Okay, nice. Donc, tu as en fait 4 buts puis 3 planches. Okay. Chaque item a une lumière. Il y en a juste une qui va être verte. Oh, okay, okay. Donc, le but du jeu, ça va être de passer le ballon dans le but ou faire la passe sur la planche qui a la lumière verte. Ouais. Yep. Bien. Excellent. Bonne prise de balle. Très bien. Ouais, avec toi. Replace-toi, on la joue. Bien. Ouais. Yep. Bien joué. Avec toi. Sur place. Play. Bien. Bien joué. Tourne. Scan, trouve. Bien. Il est dur celui-là. Hein? Allez, prête. Tourne. Trouve. Avec toi. Ouais. Scan. Trouve. Bien. Yeah. Donc, un truc, si tu scannes tout le temps ici sur cette passe au mur, ouais. ça va être super important que si tu vois juste du rouge, ta première touche, tu dois la prendre ici. Ouais, c'est vrai. Tu sais, logiquement, là, si là c'est rouge au complet, c'est de l'autre côté. Ouais. Good. Tourne droit. Trouve. Encore avec toi. Trouve la prochaine. Ajuste. Joue. Excellent, je suis là. Replace-toi, trouve la prochaine. Fini. Oui. Et tourne droit. Allez. Oui, bonne touche de balle. Très bien. Oui, bien ajusté. Et voilà, excellent. Oui, encore. Trouve. Bien, Amandine. C'est bien. Tourne gauche. Oui, voilà. Je suis avec toi. Boum. Encore. Temporise. Ouais. Oui, super. Encore. Good. Excellent celui-là. Très bien. Pour cet exercice, un petit peu plus celui-là, prise d'info encore, mais surtout, on va vouloir lâcher le ballon du regard. Donc, c'est encore un objectif de « j'ai pas peur de quitter le ballon des yeux pendant qu'il voyage okay? ». Au niveau de la ligne jaune à peu près, tu as la planche devant toi et par terre, là-bas, tu as 5 lumières. Tu vas en avoir une aussi sur chaque but. Ouais. On va vraiment y aller progressivement, d'accord ? Pour l'instant, ce que je te demande de faire, c'est seulement de faire la passe sur la planche. Pendant que le ballon voyage, tu me dis la couleur dominante que tu as vu par terre. Donc là, moi, quand je l'ai fait, il y avait 2 rouges, 2 bleus, donc je peux dire rouge et bleu. Ok, donc c'est pas plus compliqué. Donc, je veux pas que tu triches. Dès que le ballon part, tu regardes ton ballon, il part, je regarde. Là, j'ai 3 rouges, donc ma dominante, c'est rouge. J'en ai bleu. Parfait. Bleu. Ouais. Bleu et jaune. Excellent. Maintenant, tu vois le iPad avec des numéros. Ouais. Ça va de 1 à 5. Chaque numéro correspond à une lumière. Donc là, ce que je te demande de faire maintenant, c'est ta passe. Boum, ça part. 5, c'était bleu. Ok, c'est ta D'accord. Lumière. Donc je regarde la lumière qui correspond au numéro et je donne la couleur. Ok. 2, bleu. Voilà. 1, jaune. Oui. 5, jaune. 3, jaune.
Alors, pour notre dernière progression, tu as 3 buts. Chaque but a une lumière par terre qui va aussi changer. Mm-hmm. Donc, ça aussi, ça va être perturbant. À un moment donné, ça se peut que tu n'aies pas la couleur qui corresponde à celle que tu vois par terre. Tu vois, comme là, il n'y a pas de rouge. D'accord? Ouais. Donc là, le but du jeu, on repart avec la base, c'est-à-dire passe. Regarde la dominante. Bleu, mon bleu était là-bas. Je finis. Excellent. Jaune et bleu. T'as 2 choix, 2 options. Excellent. Il y avait bleu tout à l'heure. Mmh. Pour la dernière progression, maintenant, j'ai éparpillé un peu les lumières. Donc, tu dois être capable de visualiser dans l'ensemble ces 3, ces 2, tout en ayant 3 autres lumières qui viennent te perturber parce que si elles vont changer.